fera l'acclamation à Jésus-Christ. Oh Seigneur, et Seigneur, Jésus-Christ. Lord of Lords. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Lord of Lords. Mort à la croix du calvaire à Golgotha. Enseveli. Ressuscité le troisième jour. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. À lui toute la gloire. To him all the glory. À lui l'honneur, la louange, la puissance, la force, la richesse, au siècle des siècles. Strength forever and ever. Jesus Christ. Quand Jésus met la joie dans les cœurs, c'est comme ça qu'elle se manifeste. When Jesus puts joy in the hearts, that is the way it is manifested. La joie que donne Jésus dépasse la joie que les fonctionnaires ont à la fin du mois. The joy that Jesus gives is not the joy that civil servants Jesus have at the end of the month. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutons. Now let's listen. Nous allons parler de la formation des disciples et de la révélation. We are going to talk about the making of disciples and revelation. On ne peut pas continuer cette étude sans parler de la révélation divine. We cannot go on with this teaching without talking about divine revelation. Quand Dieu a donné le travail à Moïse, when God gave the work to Moses, il a invité Moïse à la montagne. He invited Moses to the mountain pour lui montrer la vision du tabernacle. To show him the vision of the tabernacle. Et il lui disait, and he told him, regarde, look, et fais, and do, selon le modèle qui t'est montré. According to the model that has been shown to you. Quand on te montre ce qui était caché, when you are shown what was hidden, c'est ça qu'on appelle la révélation. That is what is called revelation. Même dans le langage courant, even in day-to-day language. Si je te pose la question, if I ask you the question, sais-tu que telle personne vient demain? Do you know that this and this person is coming tomorrow? Tu peux dire, ah, c'est une révélation. You can say, oh, that's a revelation. Et tu viens de me le montrer. You have just shown me. Donc, ce que Dieu montre pour la première fois, what God shows for the very first time, est une révélation. Is a revelation. Ce qu'il montre avec ampleur telle qu'il ne l'a jamais fait, what he shows more extensively than he has done before, c'est une révélation. Is a revelation. Ce qu'il fait découvrir, ce qui te fait découvrir par ton esprit. What it makes you to discover through your spirit est une révélation. It's a revelation. Pour faire des disciples, to make disciples, il nous est dit qu'il faut suivre le modèle. We are told that you must follow the model. Et on te dit, le modèle suprême, that the supreme model, c'est le Seigneur Jésus. Is the Lord Jesus Christ. Ça veut dire que pour faire des disciples, il faut connaître Jésus. It means that to make disciples, we must know Jesus. Si tu ne connais pas Jésus, if you don't know Jesus, ça veut dire que tu n'as pas de modèle. It means that you don't have a model. Ça veut dire que tu n'as pas une direction où tu amènes les gens. It means that you don't have a direction in which you are taking people to. Et Jésus même l'a dit. And Jesus himself said, quelqu'un lise pour nous Matthieu chapitre 11. Verset 25 au verset 27. Let someone read for us Matthew chapter 11, verse 25 to 27. Écoutons très bien cette lecture. Let us listen very attentively to this reading. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père,
Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Amen. Vous voyez comment Jésus parle de la révélation. You see how Jesus speaks about revelation. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. He says, I thank you, Father, because you have wanted it so. Dieu a voulu que certaines personnes soient aveugles. God has wanted that some people should be blind. Que les révélations soient cachées. That revelation should be hidden. Il y a les mystères que Dieu doit te révéler. There are mysteries that God must reveal to you. Et comme il est souverain, and since he is sovereign, il a décidé de se révéler à toi. He has decided to reveal himself to Parce you. Parce que le péché de l'homme l'a éloigné de Dieu. Because man's sin took him far away from God. La connaissance de Dieu, une connaissance naturelle de Dieu n'est plus possible. A natural knowledge of God is no longer possible. Il faut la révélation. We need revelation. Il dit, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. He says, Father, I praise you because you have wanted it so. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. He says, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Father except the Son, and that no one knows the Son except the Father. Now does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him? Luke chapter 9. Luke chapter 9. Verset 20. Verse 20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Amen. Continue. Verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 16. Matthieu 16. Et à partir du verset 16. Read from verse 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonas, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Amen. Jésus voulait savoir ce que les gens disait de lui. Jesus wanted to know what people said about him. Il y avait diverses opinions à son sujet. There were many opinions about him. Mais il a demandé à ses apôtres et vous-même. But he asked his apostles and you. Je suis qui? Who am I? Pierre a dit, tu es le Christ de Dieu. Peter said, you are the Christ of God. Jésus lui dit, Jesus said to him, ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. It's not a man who. Ce n'est pas un homme qui te l'a révélé. It's not a man who revealed this to you. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. It is not flesh and blood. C'est le Père. It is the Father. C'est Dieu qui t'a révélé ça. It is God who revealed it to you. Je vous dis une chose. I tell you something. La vraie révélation. True revelation. Ne vient que de Dieu lui-même.
comes only from God himself. Les gens peuvent payer cher pour aller étudier. People can pay huge sums of money to go and study. Ils peuvent aller dans des instituts bibliques, des écoles de théologie. They can go to Bible schools or to theological schools. Mais ils ne peuvent pas connaître Jésus par ce moyen. But they cannot know Jesus through that means. C'est le Père qui révèle Jésus. It is the Father who reveals Jesus. C'est Dieu qui donne la révélation de son Fils. It is God who gives the revelation of his Son. Il a les moyens pour le faire. He has the means to do it. Alléluia. Alléluia. Pour bâtir les hommes pour Jésus. To build men for Jesus. Il faut avoir une connaissance révélationnelle de Jésus. We must have a revelational knowledge of Jesus. Vous notez ceci. Write this down. La parole de Dieu nous montre clairement que Dieu accorde une très grande importance à la révélation. The word of God shows us clearly that God shows a great importance to revelation. Dieu accorde une très grande importance à la révélation. God grants a great importance to revelation. La révélation est accordée pour permettre à l'homme de voir ce qui est voilé. Revelation is granted to permit man to see that which is veiled. Afin que cela soit vu et que cela soit connu. So that it should be seen and known. Dieu le Créateur, God the Creator, révèle activement sa nature. Actively reveals his nature. Il révèle son caractère. Reveals his character. Il révèle ses desseins. Reveals his purposes. Pour que l'homme puisse coopérer avec lui. So that man should cooperate with him. Pour que l'on puisse le connaître, qu'il puisse coopérer avec lui pour entrer dans l'expérience. So that man should know them and cooperate with him in order to get into the experience. Vous notez ceci. Write this down. Quand Dieu appelle un homme à marcher avec lui, when God calls a man to walk with him, ou à faire quelque chose pour lui, or to do something for him, il lui accorde la révélation. He grants him revelation. Il accorde à cet homme la révélation. He grants this man revelation. Afin qu'il puisse accomplir ses actions à partir d'une connaissance qui vient de Dieu et de Dieu seul. So that he should carry out his actions through the knowledge that comes from God and God alone. Une connaissance qui illumine ses pensées. A knowledge that enlightens his mind. Qui illumine son cœur. That enlightens his heart. Quand Dieu veut que tu le suives ou que tu marches avec lui ou que tu travailles pour lui et avec lui. When God wants you to walk with him or for you to work with him and for him, retenez ça très bien. La première chose qu'il va faire, il te donne la révélation. The first thing that he does is to give you revelation. Si tu rencontres un homme, if you meet a man qui sert Dieu sans révélation, Dieu ne l'a jamais appelé. Who is serving God without revelation, God has never called such a man. Il est vrai qu'il ne te dira pas qu'il n'a pas de révélation, mais tu dois discerner que celui-ci est un aveugle. It is true that he will never tell you that he doesn't have revelation, but you'll be able to discern that this is a blind man. Il s'agit de regarder un exemple banal. Si je pose la question dans cette salle, qui est baptisé? Beaucoup de personnes vont lever la main. If I just ask a simple question, who in this hall has been baptized? Many people raise their hands. Quand je vais demander après, comment avez-vous été baptisé? When I will ask afterwards, how were you baptized? Ce que les uns et les autres vont me dire va me montrer que celui-ci a reçu la révélation, celui-là n'a pas reçu de révélation. The answer that I receive from each one would enable me to see that this one has received a revelation. Si tu me this dis, one has not received. Je suis baptisé depuis le sein de, depuis le ventre de ma mère. Ça c'est, tu es classé. Tu n'as pas reçu la révélation. If you tu n'as pas la révélation du vrai baptême. If you tell me that I was baptized since my mother's womb, I will just know that you have not received the revelation si tu me dis, through baptism. If you tell me, je suis baptisé au nom de Jésus. That I was baptized in the name of Jesus. Je saurai tout de suite que tu n'as pas reçu la révélation du baptême. I will just know right there that you have not received the revelation of baptism. Tu essaies de lire la Bible, mais tu n'as pas l'esprit de révélation. Ton cœur est voilé. You are struggling to read the Bible, but you don't have the spirit of revelation. Your heart is still veiled. Si tu me dis, on m'a baptisé
Au nom du Père, on m'a plongé d'une voix. Après, deuxième fois, on m'a plongé au nom du Fils. Après, troisième fois, on m'a plongé au nom du Saint-Esprit. Je saurai que tu n'as pas reçu la révélation du baptême. If you tell me, for example, that I was baptized the first time in the name of the Father, and later in the name of the Son, and later in the name of the Spirit, I will just know that you have not received the revelation of baptism. Si tu me dis qu'on avait versé un seau d'eau sur moi, if you tell me that a bucket of water was poured on me, je sais tout de suite que tu n'as pas la révélation du baptême. I will just know that you don't have the revelation of baptism. Parce qu'il y a ce que Dieu a montré. Because there is what God showed. Qui équivaut à une révélation. Which is equal to ce que revelation. Dieu t'a fait voir. What God made you to see. Ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a fait voir. What Jesus of Nazareth made you to see. Est une révélation. It's a revelation. Tu ne dois pas jouer avec. You must not joke with it. Pose-toi la question, on a baptisé Jésus comment et de quelle manière? Ask yourself, how was Jesus baptized? Par immersion. By immersion. On doit te plonger dans les eaux du baptême. You must be dipped into the waters of baptism. En répétant la formule que Jésus même a imposée à ses apôtres. By saying out the formula that Jesus instructed his apostles to do. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. I baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous l'a recommandé. As Jesus, the Son of God, recommended to us. Et ça doit se faire après ta repentance. And it must also be done after your repentance. Parce que Jésus n'était pas un pécheur. On ne plonge pas un pécheur dans l'eau. Because Jesus was not a sinner. You don't plunge a sinner into water. Tu dois être comme lui. You must be like him. Au moment où tu entres dans les eaux de baptême. At the moment where you are going into the waters of baptism. Certaines personnes sont étonnées maintenant. Some people are now surprised. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. That is what is called revelation. Et si tu n'es pas baptisé selon la loi de Dieu. And if you are not baptized according to God's law. Sois humble. Be humble. Demande à ceux qui connaissent Dieu. Ask those who know God. De te baptiser. To baptize you. Si tu vas vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. If you go to those who don't know God, ils vont te persécuter. They will persecute you. Ils vont te haïr. They would hate you. Et ils vont te tromper. And they would deceive you. Ils vont te dire que c'est la même chose. They will tell you it's the same thing. Et si c'était la même chose, if it was the same thing, Jésus n'allait pas descendre et quitter son trône pour venir sur la terre. Jesus would not have left his throne to come to earth. Pour se révéler pour rien. To reveal himself for nothing. Si n'importe quoi pouvait te bénir, Jésus n'allait pas venir. If just anything could have blessed you, Jesus would not have come. Ce qui doit te bénir, that which must bless you, c'est ce que Christ apporte. Is that which Jesus brings. Il dit, le Père m'a donné toutes choses. He says, the Father has given me everything. Tout. Everything. Dieu a pris tout, il a donné à son Fils. God took everything and gave it to his Son. De telle sorte que si tu rejettes le Fils, tu as rejeter tout de Dieu. Such that if you reject the Son, you have rejected all of God. Tu dois connaître Jésus. You must know Jesus. Pour bâtir les hommes pour lui. To build men for him. Et ça se fait par révélation. And it is done by revelation. Et ce que je n'ai pas dit et que je ne dois pas oublier de dire. What I wanted to say, which I must not forget. C'est que la révélation est une promesse de la rédemption. Is that revelation is a promise of redemption. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'on supplie Dieu comme si on commandait. Dieu les a programmées. Dieu a décidé que je veux révéler ma personne aux hommes. Je veux révéler ma nature aux hommes. Je veux révéler mes desseins aux hommes. C'est programmé. It's not as if it's something that we are begging from God. It's something that God has programmed that he will reveal himself to man, he will reveal his projects to man, he will reveal his purposes to man. Et c'est pour cette raison que and it's for that reason si tu constates que ton esprit est fermé, that if you realize that your spirit is closed up, il faut pleurer sur toi-même. You should cry for yourself. Parce quelque chose que Dieu a promis à tout le monde, because something that God has promised to all men, ne devrait pas t'échapper.
you must not miss out on it. Une promesse de Dieu. A promise of God. Il dit, je veux me révéler aux hommes. That I'll reveal myself to men. Et Dieu se révèle à gauche, il se révèle à droite, tu es assis au milieu là. And God reveals. Il faut pleurer sur toi-même. God reveals himself. C'est un mauvais signe. Reveals himself to the right. C'est un mauvais signe. Reveals himself to the right, to the left, and then you are in the darkness. C'est pour cette raison. It's for that reason. Que l'apôtre Paul a fait de cela un sujet de prière. That the apostle Paul made this a prayer topic. Pour tous ceux qui croyaient. For all those who believed. Paul a beaucoup souffert. Paul suffered a lot. Il voulait servir Dieu. He wanted to serve God. Mais il était aveugle. He was blind. Il ne comprenait rien, il ne connaissait rien. He did not understand anything. He did not know il anything. Il a persécuté l'église. He persecuted the church. Il a fait tuer les gens pour rien. He killed people for nothing. Sans révélation. Without revelation. Quand Jésus s'est révélé à lui. When Jesus revealed himself to him. Il a fait de ça un sujet d'intercession. He made this a prayer topic of intercession. Paul sait qu'un homme sans révélation ne peut rien faire pour Dieu. Paul knows that a man without revelation can do nothing for God. Et Jésus l'avait déjà annoncé par Jean. And Jesus had already announced il a dit, l'heure vient. Through John. Et elle est déjà venue. He said the hour is coming. Où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. When those who kill you will think that they are doing something good, they are worshiping God. Sans révélation, without revelation, tu peux t'opposer à Dieu sans savoir. You can oppose God without knowing it. Croyant que tu fais partie des premières personnes qui aiment Dieu. Thinking that you are one of the first people who love God. Beaucoup sont ennemis de Dieu, mais dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Many people are enemies of God, but in ignorance. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Read for us 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen. Le Dieu de ce siècle, the God of this age, c'est-à-dire le diable, that is the devil, a aveuglé l'intelligence de certaines personnes, has blinded the minds of some people. On ne peut pas dire de tous ceux qui sont dans le monde, dans les ténèbres. In other words, all of those who are in darkness. Afin qu'ils ne voient pas comment l'évangile brille, la beauté, la splendeur de l'évangile. So that they cannot see the splendor of the gospel. Lisons Romains chapitre 10, verset 1 à 2. Let's read Romans chapter 10, verse 1 and 2. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. Brothers and sisters, my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Amen. L'apôtre dit qu'il prie pour ses frères, les enfants d'Israël, les Israélites, ses frères dans la chair. The apostle says he prays for his brothers, the Israelites, his brethren according to the flesh. Ils ont le zèle, mais ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas d'intelligence. They have zeal, but they don't know anything. They don't have knowledge. Et lui-même était comme ça. And he himself was like that. Sans révélation. Without revelation. Tu as le zèle. You have zeal. Mais tu n'as pas d'intelligence. But you don't have knowledge. Quand tu n'as pas de révélation. When you don't have revelation. Tu es même ennemi de Dieu, mais tu penses que c'est toi le premier au ciel. You are even an enemy of God, but you think that you are the first in heaven. Et le Seigneur t'a amené ce soir ici pourquoi? Why did the Lord bring you here this evening? Toi qui es là pour la première fois. You are here for the first time. Dieu veut te sauver. God wants to save you. Dieu veut te sauver d'une grande ignorance.
God wants to save you from great ignorance. Parfois, quand tu poses des questions à Dieu, sometimes you ask God questions, tu crois que tu as raison. And you think that you're right. Mais quand Dieu te regarde, but when God looks at you, il te voit assis dans les ténèbres. He sees you seated in the darkness. Et il a dit, and he says, je veux me révéler à lui. I want to reveal myself to him. Et il est activement à l'œuvre ce soir. And he's actively at work this evening. Pour enlever les écailles de tes yeux. To remove the scales from your eyes. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. You will not go back as you came. Paul dit le vœu de son cœur c'est que ses frères dans la chair soient sauvés. Paul says that the desire of his heart is that his brethren in the flesh should be saved. Il a vécu dedans sans savoir. He lived in it without knowing it. Après Dieu s'est révélé à lui. After that, God revealed himself to him. Et Dieu lui a donné une mission. And God gave him a mission. Quand tu as la révélation, when you have revelation, tu peux commencer le travail. You can now begin work. Sans révélation, without revelation, tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Tu ne sauras pas par où et comment commencer. You will not know where and how to start. Lis pour nous Actes chapitre 26. Read for us Acts chapter 26. Verset 14. Verse 14. À 19. To 19. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul raconte comment il a vu Jésus pour la première fois. Paul is telling the story how he met Jesus for the first time. Il a rencontré Jésus pour la première fois. He met Jesus for the first time. S'est révélé à lui par une grande lumière resplendissante. Jesus revealed himself to him by a great shining light. Il était avec certaines personnes. He was with some people. Ils sont tous tombés. They all fell to the ground. Acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus. Il ne l'a pas touché. Do not touch them. Jésus ne l'a pas touché. Jesus did not touch him. Il ne lui a dit aucun mot. He did not say any word to him. La lumière. The light. Bam. Bam. Tout le monde à terre. Everyone to the ground. Il tremblait. Il dit qu'il tremblait. And they were trembling. C'est là où Jésus lui demande, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? And that's when Jesus asked him, Saul, Saul, why do you persecute? Il ne connaissait pas Jésus. Même sa voix même, il ne savait pas que c'est comme ça que Jésus parle. Even his voice, he did not even know that that's the way Jesus speaks. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire s'appelait persécution. He did not know that what he was doing was called persecution. C'est là qu'il apprend ça. That is where he was learning. Que tu me persécutes. That you are persecuting me. Il dit, ah, c'est toi, c'est qui? He said, who are you? Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. He said, I am Jesus whom you are persecuting. Tremblait. And he was trembling. Que faut-il que je fasse? Then what do you want me to do? Acclamation à Jésus. A clap offering to Jesus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une partie de l'évangile. Ça donne la joie au cœur. This is part of the gospel that brings joy to the heart. Lis la suite. Read what follows. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mais lève-toi. Mais lève-toi. But rise up. Et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est ça qu'on appelle l'appel. That is what we call the call. Il vient avec la révélation, c'est un même paquet. It comes with revelation. It is the same package. Tu rencontres Jésus de cette manière. You meet Jesus in this way. Tu ne vas pas passer ta vie à demander aux gens on fait comment, on fait comment, on fait comment. You not spend your life asking how are we going to do it, how do we do it. Et les gens vont te tromper, brûle, allume un bougie, brûle l'encens, tourne les chapelets. Tu es là comme un petit fou. And people will deceive you, light a candle, turn around the rosary. Il te faut toi aussi rencontrer Jésus. You must also meet Jesus. Bam! Bam!
Je te suis apparu. I appeared to you. Pour t'établir. To establish you. Ministre témoin. Minister and witness. Des choses que tu as vues. Of the things that you've seen. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. And the things for which I would appear to you. Ta vie change. And your life changes. Quand tu entends ça, ta vie change. When you hear this, your life changes. Ta vie change. Your life changes. Je te suis apparu. I appeared to you. Pour t'établir. To establish you. Ministre et témoin. Minister and witness. Des choses que tes yeux ont vues. Of the things that your eyes have seen. Pour lesquelles je t'apparaîtrai. And the things for which I would appear to you. Il n'est plus le même. C'est que les autres qui sont tombés là vont rester par terre, mais lui, il n'est plus le même. Those who fell to the ground with him will remain Tiens the same, but he will not be the same. Rise on your feet. Et depuis ce jour-là, and from that day, Paul a toujours été debout. Paul always stood up. Sans repos. Without rest. Toi, tu es là, fleque, aidez-moi. You are there, fleque, help me. Tout on met dans ta bouche, tout. Everything is put in your pour mouth. Pour aller à une réunion, on doit te... Even to come to a meeting, they have to carry you. Alors, pardon, on finit à 21h, ça ne va pas durer. Please, let's go, we'll end at 9 p.m, we'll not stay for long. Tiens-toi sur tes pieds. Rise on your feet. Tu n'es plus le même. You are no longer the same. Et toi qui perds le temps des gens. And you are wasting convertis-toi. Be converted. Et tiens-toi sur tes pieds. And rise on your Marche. Feet. Walk. Qu'on voit comment tu as rencontré Jésus. Let us see how you've met Jesus. Divorce total avec la nonchalance. A total divorce with nonchalance. Paul n'a plus jamais été le même. You will no longer be the same. Tu ne seras plus le même. Continue la lecture. Non, lis. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Ça, c'est une révélation. Ce qu'il fait là, c'est il révèle à Paul. Il lui montre ce qu'il ne savait pas. That is, he's showing him what he did not know. Continue. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Comme lui-même voit déjà. So since he can already see, Dieu l'envoie pour aller ouvrir les yeux des autres. God is now sending him to go and open the eyes of others. Lui qui est sur ses pieds là, he who is now on his feet, il n'est plus sous la puissance du diable. He's no longer under the power of the devil. Dieu peut l'envoyer maintenant prendre les autres et amener à la lumière de Dieu. God can now send him to go towards others and open their eyes. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce n'est pas un homme qui dit ça à Paul. It's not a man saying this to Paul. Que en Jésus, that in Jesus, on obtient le pardon des péchés. We obtain the forgiveness of sins. En Jésus. Jesus, on obtient l'héritage avec les sanctifiés. We obtain the inheritance with the sanctified. Et quand il dit que personne ne lui a enseigné, il dit la vérité. When he says that nobody taught him this, he's saying the truth. Ce n'est pas un homme qui le lui a dit. It's not a man who taught him. Il est venu directement du ciel. He came directly from heaven. Dieu est l'auteur des vraies révélations. God is the author of true revelation. Quand tu as des cauchemars, il faut faire attention. When you have nightmares, you should be careful. Il y a des gens qui ont des cauchemars. There are people who have nightmares. Qui sont les marques de l'oppression démoniaque. Which is the sign of demonic oppression. Mais ils veulent qu'on les prenne comme les prophètes. But they want them to be considered as prophets. On a besoin de prophètes. We need prophets. Mais pas ce genre-là. But not those types. Pas le genre de Saül. Not the kind of prophets of Saul. Qui a prophétisé toute une journée nue. Who prophesied roulant naked, par terre. The whole day, rolling on the ground. Si tu entres sur les bancs maintenant, tu les casses, on va t'arrêter pour aller délivrer. If you now go under the benches and you break them, we'll take you to go and deliver you. Chez nous, l'onction n'entre pas sous les chaises, roule par terre, mord les gens, gifle les gens. With us, the anointing does not throw people on the ground. You beat up people, you bite them. Si ça t'arrive, l'équipe de délivrance. If that happens to you, we'll take you to the deliverance team. Acclamation à Jésus. A clap offering to Jesus. Quand nous sommes nouvellement arrivés, when we just arrived,
Les gens confondaient l'œuvre des démons à l'œuvre du Saint-Esprit. People used to mistake the work of demons for the work of the Holy Spirit. Une femme a dit. A lady told me. L'onction était sur le prophète. The anointing was on the prophet. Il faisait comme le coq. He was behaving like the cock. C'est-à-dire, pour elle, l'onction était pleinement sur le prophète. For her, the anointing was so full on the prophet. Et il faisait comme le coq. And he was making like the cock. C'est-à-dire, elle rendait compte d'une veillée, de miracles. As she was telling me about an all night of miracles. Non, elle rendait compte à quelqu'un. Or she was telling someone about an all night of miracles. J'ai dit aux gens, qu'est-ce qui arrive? On dit l'esprit l'a terrassé. J'ai dit que quelqu'un est malade ou il est possédé. Le Saint-Esprit laisse le démon et terrasse la personne. Est-ce que c'est juste? I asked that you see someone who is sick and then the Holy Spirit leaves the sickness and then throws the person on the ground. Je leur dis, chez nous, quand quelqu'un tombe, c'est les démons va chasser. I told them that when somebody falls on the ground, it's a demon will deliver the person and cast out the demons. Et c'est ce que vous devez faire. And that is what you must do. Dieu n'est pas méchant que toi tu souffres, il vient, il te terrasse, boum, tu te lèves, mais la maladie est toujours là, le démon est là. Il te terrasse, donc pourquoi? God is not wicked to the extent that you are sick or in pain, then he throws you to the ground and you get up, the sickness or the demon is still there. Non, c'est manque de révélation. That is the lack of revelation. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu. You don't know the work of God. On ne connaît pas la compassion de Dieu. You don't know the compassion of God. Comment il protège la dignité de l'homme. How he protects human dignity. Un jour donc, je donnais un enseignement. Then one day I was giving a teaching. Lucie Kaola, voilà, tiens-toi debout. Ça c'est l'histoire de l'église. Lucie Kaola était nouvelle, elle était assise devant moi. Lucie Kaola was new, she was sitting right in front of me. Je prêchais, j'enseignais, je ne prêchais même pas l'évangile, j'enseignais la parole de Dieu. I was teaching, I was not even preaching the gospel, I was teaching. Elle est tombée. And she fell. Elle criait, wah, wah. And she was shouting. Je me suis approché. Qui es-tu? I just went close to her and said, who are you? Vaudou. Vaudou. J'ai dit, vous voyez, dans une grande veillée, un grand prophète international l'avait oint prophétesse des nations, voilà. During one of the great prayer nights, a great preacher had anointed her as prophetess to the nations. Écoutez bien, parce que quand on dit révélation, quelqu'un va révéler là et dit j'ai reçu une révélation. La révélation, c'est ce que Dieu te fait connaître par l'esprit, dans ton esprit. Revelation is that which God makes you to know in the spirit, in your spirit through the spirit. Vous voyez, cette fille qui est prophétesse des nations. Voici l'esprit du vaudou qui se dévoile. You see, quel est ce prophète qui a oint petite fille du vaudou, prophétesse des nations? You see, a girl who had the spirit of vaudou in her, who was appointed prophetess to the nations, and I asked myself, who is this prophet who anointed someone with the spirit of vaudou, a prophetess to the nations? Rien que ce miracle-là est une révélation. Just this miracle was a revelation. Dieu veut montrer, God wants to show, qu'il y a des gens, that there are people, qui ne boivent pas les eaux d'une source pure, who don't drink from a clean sources. Prophétesse des nations. A prophetess of the nations. Sous un ciel. Sous un certain ciel. In a certain heavens. Sous un autre ciel. In another heaven. Vaudou. Vaudou. Tu as la révélation déjà. You already have the revelation. Et on l'a délivrée. And we delivered her. Là voilà qui est toute souriante. Acclamation à Jésus-Christ. Là voilà. Ça doit t'arriver. This must happen to you. Tu dois être sauvé. You must be saved. Tu peux t'asseoir. Je suis en train de te montrer comment la révélation peut être utile. I'm showing you how revelation can be useful. Sinon, c'est une prophétesse des nations.
If not, she's a prophetess to the nations. Son maître même est prophète des nations. Her master, a prophet to the nations. Mais quand le Saint-Esprit descend, when the Holy Spirit comes down, vaudou. Vaudou. Alors on commence à regarder son maître que, et toi, tu, si elle est vaudou, toi tu es quoi? And then we start looking at the master. Say, if she is vaudou, then who are you? Ephésiens chapitre 1, verset 15. Lis à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin du chapitre. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for the Lord for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you might know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Amen. L'apôtre Paul. The apostle Paul est conscient conscious de l'obscurité qui règne sur la terre. Of the darkness that reigns on the earth. Et qui est aggravée par l'idolâtrie des gens. And which is characterized by the idolatry of men. Pour lui, for him, quand tu es chrétien, when you are a Christian, il faut la révélation. You need revelation. Pour continuer. To go on. Les petites prières qu'on fait le jour de la repentance là, ça ne suffit pas. Those little prayers that we do on the day of repentance is not enough. Après ton salut, after your salvation, tu dois entrer dans tes pleins droits, dans ton héritage plein. You must get into your full rights, your full inheritance. Le diable le sait. The devil knows it. Donc il combat cela. So he fights it. Il ne veut pas que tu connaisses qui tu es. He doesn't want you to know who you are. Il lutte. He fights. Pour que tu restes dans l'ignorance. So that you should remain in ignorance. Prier pour la révélation devient donc un vrai combat pour tous les faiseurs de disciples. So praying for revelation becomes a true battle for all disciple makers. Si tu diriges une œuvre, if you are leading a work, si tu conduis quelqu'un, if you are leading someone, il faut mener des combats. You should carry out battles. Que tout voile sur sa tête soit déchiré. So that every veil should be torn. Que toute hauteur qui s'élève au-dessus de lui soit renversée. That every height that rises up above him should be overthrown. Tu dis, oh Seigneur. You say, oh Lord. Qu'il te voit, qu'il te connaisse. Let him see you and let him know you. Oh Seigneur. Oh Lord. Qu'il t'entende. Let him hear you. Qu'il te comprenne. And let him understand you. Qu'il se convertisse. And let him be converted. Qu'il voit. Let him see. Qu'il voit. Let him see. Tu cries. You cry out. Tu cries. You cry out. Tu cries à Dieu. You cry out to tu God. Tu dis, oh Père. You say, oh God. Déchire le voile. Tear the veil. Illumine les pensées. Enlighten his illumine le cœur. Enlighten his donne-lui un esprit de sagesse. Give him a spirit of wisdom. Donne-lui un esprit de révélation. Give him a spirit of revelation. Il comprend les choses terre à terre. Let him understand the things terre à terre. From the ground level. On dit qu'ils saisiront les serpents, il s'en va, il embrasse une vipère. Que je, vipère, Jésus a dit que je veux t'attraper, tu ne vas pas me mordre, tu ne vas pas me mordre. They say they will pick up serpents. He goes and embraces a snake and says that Jesus said that you pick up snakes and they will not. Sans révélation, il veut expérimenter la vie de Dieu sans révélation. Without revelation, he wants to experience the life of God. Paul dit.
Oh Père, délivre-le. Pense, oh God, deliver them. Il ne te connaît pas. They don't know you. J'étais comme lui. I was like him. Je te persécutais. I persecuted you. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Donne-lui la révélation. Give him revelation. Pour continuer, to move on, il faut la révélation. You need revelation. Parce que la formation du disciple repose sur une connaissance révélationnelle du Christ. Because the making of disciples rests on a revelational knowledge of Christ. Il nous faut la révélation. We need revelation. C'est une promesse. It is a promise. Et quand on étudie l'œuvre du frère Zach, when we study the work of Brother Zach, il y a tout un livre. There is a whole book sur la révélation. On revelation. Ça veut dire que le frère Zach a posé un fondement solide. It means that Brother Zach laid a solid foundation. Dans ses écrits, in his writings, il y a tout un livre. He has a book pour expliquer que la révélation est une nécessité. To explain the fact that revelation is a must. Quand tu lis le frère Zach, when you read from Brother Zach, et tu vois comment il a procédé, you see how he proceeded. Quand tu étudies l'enchaînement des révélations des livres, when you study the chain of his writings, of his books, quand tu vois à quel niveau de son ministère il a écrit sur la révélation, when you see at what level of his ministry he wrote about revelation, tu comprends qu'il connaissait le chemin. You know that he knew the way. Il connaissait le chemin. He knew the way. Quand tu as les enfants que Dieu t'a donnés, when you have children that God gave you, quand tu dois leur parler, when you have to speak to them, les guider, guide them, les encourager, encourage them, il faut que quelque part, you need that somewhere, tu réalises que tu as besoin de l'action divine pour t'aider à le faire. You need to know that you need a divine action to do what you have to do. Et cette action là, and that action est fondamentalement la révélation que Dieu lui-même leur donne. Is fundamentally the revelation that God himself gives. Il y a des gens parmi vous, there are people amongst you, qui ne peuvent plus s'amuser avec l'immoralité. Who can no longer joke with immorality. Ce n'est pas parce qu'un homme leur a parlé. It's not because a man spoke to them. Quelque part, somewhere, ils ont reçu la révélation. They received the revelation. Il y a des gens qui ne jouent plus avec l'argent. There are people who no longer joke with money. Ce n'est pas parce qu'on a parlé fort. It's not because we spoke hard. C'est que Dieu est arrivé quelque part avec toi. Is that God has gotten somewhere with you? Et il t'a délivré. And he has delivered you. Cette délivrance, that deliverance, est un autre niveau de connaissance de la puissance de Dieu. Is another level of the knowledge of the power of God. Ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté peuvent continuer. Those who have not experienced it can continue. Mais toi, tu ne peux plus continuer. But you can no longer continue. Tu sais comment un homme est délivré. You know how a man is delivered. Tu es porteur d'un témoignage. You are the bearer of a testimony. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. He says, I continually pray for you. Quand tu vas rentrer, when you go back, prie, pray pour ce que Dieu t'a donné. For that which God has given you. Personnellement, ça fait partie de mes sujets de prière. Personally, this is part of my prayer topics. Si Dieu ne vient pas, if God does not come, tu peux amener les gens où? Where can you take men to? Tu as quoi? Tu n'as rien. What do you have? You have nothing. Chaque homme a son cœur. Every man has his heart. Chaque homme a ses pensées. Every man has his thoughts. Chaque homme a ses ambitions. Every man has his ambitions. Tu vas commencer par où pour les conduire? Where will you begin to lead them? Ne dis pas Dieu donne-moi la sagesse. Don't say God give me wisdom. Ça c'est une petite prière. That's a small prayer. Égoïste. Selfish. Dis, ouvre leurs yeux. Prie pour eux qu'ils connaissent Dieu comme toi tu tentes de connaître. Say God open their eyes. That they will know God as you are striving to know him. Ne ramène pas tout à toi-même. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour les diriger. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la puissance. Don't bring everything to yourself. Say God, give me wisdom to lead them. Give me knowledge. Give me power. Fais comme Paul. Do like Paul. Je prie pour vous. I pray for you. Que Dieu vous donne. That God should give you. Ça c'est glorieux.
That is glorious. Que Dieu vous donne. That God should give you. C'est pas que Dieu me donne. Not that God should give me. Dieu me donne. God give me. Tu as deux petites brebis là. Donne-moi. You have two little sheep. Give me. Donne-leur. Give them. L'intelligence. Knowledge. Si les frères sont intelligents, tu deviens mille fois intelligent. If the brethren are intelligent, you become a thousand times intelligent. Et tu es en sécurité. And you are in security. Que Dieu vous donne. Let God give que Dieu you. Vous donne. Let God give you. Que Dieu vous donne. Let God give qu'il vous donne. Let God un give esprit you. De sagesse de révélation. A spirit of wisdom and revelation. Toi, tu veux. Quelqu'un avait pris un jeûne de 10 jours pour la puissance spirituelle. Je lui ai demandé, tu vas faire quoi avec la puissance? Convertis ton jeûne en jeûne de consécration. Somebody took a fast of 10 days to pray for spiritual power. Ask him, what do you want to do with spiritual power? Convert your fast into a fast of consecration. Les gens ont des oppressions, des maladies. People have oppressions of sicknesses. Qui demandent qu'ils aient la foi. Which demand that they should have faith. Qu'ils contemplent Jésus sur la croix. Let them behold Jesus on the cross. Et toi tu es là, c'est donne-moi. You are there, Lord. Give me. Donne-moi. Parce que tu veux diriger avec sagesse. Because you want to lead with wisdom. Et si tu as un milliard d'aveugles, toi seul tu vois, tu auras des problèmes. If you have 1 million blind men and you are the only one who sees, you have many problems. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. The Lord is delivering someone. Si j'avais le temps, j'allais demander, il s'agit de qui? Vous seriez édifié. If I had time, I would have asked, who is the Lord delivering? And you would be edified. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est délivré authentiquement. I feel in my spirit that someone is being genuinely delivered. Et quelqu'un dont la vie aura de l'impact. Someone whose life will have an impact. Il vient d'être délivré. It has just been delivered. Donne-le. Give them. Donne-le. Give them. Un esprit de sagesse. A spirit of wisdom. Un esprit de révélation. And a spirit of revelation. Lis Philippiens chapitre 1, verset 9. Read Philippians chapter 1, verse 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Ça, c'est le même. C'est une autre manière de dire la révélation, la sagesse, it's another et l'intelligence. Way of saying revelation and wisdom. Que votre amour augmente. Est-ce que tu as dit pour le discernement des choses les meilleures? That your love should grow. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen. Dans l'introduction du livre La vraie repentance. In the introduction of the book True Repentance. Le frère a dit que la raison pour laquelle certaines personnes continuent de commettre le péché, c'est qu'ils n'ont jamais vu la, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu la révélation de ce que le péché fait. Brazak says that the reason why some people still continue to commit sin is that they have never seen. It means that they have never had the revelation of what sin does to God. Quand tu n'as pas la révélation, when you don't have revelation, tu n'as pas la puissance spirituelle pour agir contre ou pour quelque chose. You don't have the power, the spiritual power to act for or against something. La révélation est agissante. Elle excite la pensée de l'homme. Revelation is active. It excites the mind of man. La révélation enflamme la foi. Revelation sets faith ablaze. La Bible dit que quand Joseph a envoyé les chars pour aller chercher son père,
The Bible says that when Joseph sent chariots to go bring his father, il n'a pas cru. He did not believe. On dit Joseph vit. They said Joseph is alive. Il discutait. He was arguing. Il était froid. He was cold. Après il est sorti, il a regardé les chars. Then he went out and looked at the chariots. Sa foi fut enflammée. His faith was set ablaze. Il a commencé à se préparer pour voyager. Then he started getting ready to travel. La révélation enflamme la foi. Revelation sets faith ablaze. Le manque de révélation entretient une froideur. The lack of revelation keeps coldness. Dès qu'il a vu là, c'est-à-dire que c'est une révélation. Les choses sont claires sous ses yeux. Que toi tu doutes là, regarde ces chars-ci. Est-ce que tes enfants sont capables de voyager avec tous ces chars sans problème? As soon as he saw that fact of seeing was revelation, it meant he could see that the chariots were there and could ask himself, you see all these chariots, could your children travel with all of these chariots without any problem? Il s'est levé. He rose up. La révélation fait agir. Revelation brings action. Elle te donne la sagesse et l'intelligence. Gives you wisdom and knowledge. Elle te montre comment faire. It shows you how to do it. Elle nous délivre des pensées des hommes. It delivers us from the thoughts of men. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 14. Read à for 16, us. Mais verset 9 à 16. Read for us 2 Corinthians chapter 2. Verse 9 to 16. Mais comme il est écrit. Mais comme il est écrit. As it is written. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. The things that eyes have not seen. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Nor that ears have heard. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Et des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. No things that have entered into the heart of man. That l'homme n'a jamais pensé à ça. That man has never thought of. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai dit que la révélation est une promesse de la rédemption. Il y a des choses que Dieu a préparées pour montrer à ceux qui l'aiment. Ce n'est pas que tu viens, pardon papa, je peux voir. C'est pour toi. Ça t'attend. There are things that God has prepared for those who love him. It's not that you come and ask him and beg for it. There are things that he has prepared, they are for you. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. The things that God has prepared for those who love him. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. God has revealed them through His Spirit. Car l'Esprit sonde tout, car même les l'Esprit sonde tout. For the Spirit searches all things. Écoutez. Lis. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Écoutez la suite. Continue. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne.
car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Écoutez. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. The Spirit of God knows the deep things of God. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, when the Spirit of God abides in you, Dieu te révèle les choses. God reveals things to you. Et le résultat, and the result, nous avons en nous la pensée de Christ. We have in us the mind of Christ. Tu as besoin de révélation. You need revelation. Pour abandonner le péché, tu as besoin de révélation. To abandon sin, you need revelation. Quand on dit Jésus-Christ à la croix, tu ne comprends même rien. When they say Jesus on the cross, you don't even understand anything. Tu peux même commettre la masturbation en récitant les versets de la Bible. You can even commit masturbation by citing Bible passages. Tu peux croire que tu es l'homme le plus humble du monde. Sans révélation. You can think that sans révélation, tu peux croire que tu es l'homme le plus humble du monde. Without revelation, you can think that you are the most humble person on earth. Tu as besoin de révélation. You need revelation. Tu as besoin de révélation. You need revelation. Tu as besoin d'une connaissance révélationnelle des vérités bibliques. You need a divine, you need a revelational knowledge of Bible truths. C'est la révélation qui rend possible l'expérience. It is revelation that makes experiences possible. Tu as besoin de révélation. You need revelation. Le frère Zach a dit, Brother Zach said, cite, and I quote, la vie c'est l'expérience soutenue. Life is sustained experience. C'est possible que quelqu'un connaisse une expérience qui dure pendant une courte durée. It is possible that someone has an experience that lasts for a short time. Il est aussi possible pour une personne d'avoir une expérience soutenue. It is also possible for someone to have a long-term experience. L'expérience est devenue son style de vie. Fin de citation. That experience has become his lifestyle. End of quote. Le frère montre dans son livre que c'est la révélation qui permet d'entrer dans une expérience. Our brother shows in his book that it is revelation that makes one to get into an experience. Ça peut durer. It can last. Comme ça peut être passager. As well as it could just be short term. Nous allons nous tenir debout. We are going to stand. Dis à Dieu, je veux être un bon, un vrai disciple, un bon disciple. Tell God, I want to be a real disciple. Et je veux faire good disciple. Des disciples pour toi. And I want to make disciples for you. Donne-moi la révélation. Give me revelation. De ta nature. Of your nature. De tes voies. Of your ways. Donne-moi la révélation de ta personne. Give me a revelation of your person. Après tu dis. After that you say. Oh Dieu. Oh God. Ouvre les yeux des enfants que tu nous as donnés. Open the eyes of the children that you've given us. Ne dis pas que tu m'as donné, dis les enfants que tu nous as donnés. Don't say the children that you've given me. Say the children that you've given us. Dis Père, je veux être utile. Say Lord, I want to be useful. Mais je veux te connaître. But I want to know you. Je veux que ma vie fondée sur la révélation soit une bénédiction pour les enfants que tu nous as donnés. So Lord, I want that my life founded on revelation be a blessing to those you've given me. Je veux intercéder par révélation. I want to intercede by revelation. Je veux imposer les mains aux malades par révélation. Je veux la révélation de ta puissance. I want to lay hands on the sick by revelation. I want a revelation of your power. Je veux, je veux, je veux, je veux. I want, I want, I want. Prions ensemble. Let's pray together.
Rabakaseka, 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 Rabakaseka. Ori Kabakaseka, Rabakaseka, 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 Rabakaseka. Ote, Ete, Kabasete, Kere, Balta, Rambaseke, Rebeke, Sekere, Heri, Kayamasanda. Ori Akasaga, Lamakunda, Kabaseke, Rebel, Tote, Rebasika, Rabaseka, Rabakaseka. Ori Abakaseka, Rabakaseka, 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 Rabaka. Eli Kalebe, Kalebe, Kale, Haruga. Ori Kere, Bakarabasamareka. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. The Lord go with you.